Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de peau de lune, lotion peau de lune. Voilà, donc là, j'ai deux bouteilles. Ça, c'est une bouteille vide. Et puis, ça, c'est encore là. Donc, je suis en train d'utiliser. Donc, je vais vous parler de comment reconnaître le vrai et le faux peau de lune. J'avais fait une vidéo sur comment utiliser les peaux de lune. J'avais beaucoup expliqué sur le lotion peau de lune. Donc, j'ai vu beaucoup de commentaires. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo pour différencier le vrai au faux? Parce que j'ai quand même vu que y a beaucoup de gens qui utilisent lotion peau de lune. Et puis, il y a vraiment eu beaucoup de feedback. Donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo spéciale là où je vais juste expliquer comment reconnaître le vrai au faux. Alors, si vous êtes intéressé par ce sujet, vraiment, vous êtes continuer à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Alors, si c'est votre première fois d'être ici, moi c'est Alice et sur cette chaîne, je partage des vidéos de cuisine, de lifestyle et des trends. Alors, si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, n'oubliez pas de vous abonner comme ça. À chaque fois que je poste des vidéos, vous serez parmi les premiers à être notifiés. Donc, on va commencer. Voilà, donc j'ai parlé de peau de lune, lotion peau de lune. Voilà, donc voilà. Comment reconnaître le vrai ou faux? Parce que ce qui est mal avec le cosmétique est que quand il y a quelque chose qui marche, en tout cas directement nos frères, nos frères ouest-africains, là je parle plus du Nigeria et puis du Mali, commencent à faire le fou. Donc voilà, c'est ça les problèmes avec le cosmétique. Donc, mais quand même, bien merci, on peut quand même reconnaître le vrai au faux. Alors, comment reconnaître le vrai? Voilà, d'abord, je commence par le logo. Le logo. Voilà, donc, regardez cette photo très bien. Regardez-le vraiment bien. Observez-le très bien. Les deux photos. Voilà, je pense que c'est fait. Donc, si vous observez les deux photos, vous allez remarquer que non. D'abord, en commençant par le logo. Le logo seulement. Ça montre déjà que non, il y a un faux. Donc là, je vous mets à côté, je vous mets le faux. Regardez le logo ici. Donc voilà, regardez ce logo. Et regardez le logo à côté. Vous allez voir que non, ce n'est pas la même chose. La bouteille, c'est vraiment, ils ont vraiment bien imité la bouteille, mais le logo, ils ont échoué. Donc voilà, on commence d'abord par le logo. Donc voilà, dès que vous finissez avec le logo, maintenant, quand vous achetez les nouveaux de lune, je suis sûre que même dans les shops ou dans les supermarchés, on va jamais vous interdire d'ouvrir, vraiment, même si on vous interdit d'aller quelque part, aller ouvrir ça en secret, hein, pour ne pas acheter les faux en fait. Donc voilà, dès que vous ouvrez peau de lune, sur la bouteille tout autour ici, vous allez remarquer, c'est comme s'il y a de il y a une poudre blanche en fait. C'est comme s'il y a une poudre blanche, ou bien je peux dire rose en fait. En ce qui est sûr, c'est comme s'il y a une petite, il y a de poudre à côté ici. Voilà. Je ne sais pas vous montrer ça avec la caméra, mais je vais voir comment je peux faire pour vous le montrer. Quand je vais commencer à faire la vidéo, je vais quand même vous montrer comment faire. Vous allez déjà remarquer la poudre. Voilà. Donc la poudre tout autour de la bouteille. Et voilà, donc vous pouvez voir ça ici. Voilà. Ensuite, dès qu'on ferme, regardez en bas de la bouteille. En bas de la bouteille. En bas de la bouteille. Je ne sais pas si vous pouvez voir. En bas de la bouteille aussi, à l'intérieur, vous allez remarquer, c'est comme s'il y a aussi, il y a une poudre en fait. Et alors, il faut faire très attention avec la bouteille, avec la poudre. La poudre doit avoir une couleur blanche. La poudre que vous êtes en train de voir à l'intérieur doit avoir une couleur blanche. Quand la poudre est noire, c'est faux. Quand c'est déjà nouveau et vous voyez que non, à l'intérieur, une poudre noire. Carrément, c'est le faux pour les lignes. Carrément, c'est le faux pour les lignes. Donc, quand vous regardez la bouteille juste en bas, la poudre que vous verrez à l'intérieur doit avoir la couleur blanche ou bien d'un aspect rose pâle en fait. Maintenant, je vais vous montrer avec la bouteille que j'ai déjà fini. Voilà. Ça, c'est une bouteille vide. C'est ici que vous allez mieux remarquer que je ne sais pas si vous êtes en train de voir une poudre à côté de la poudre dont je parlais. Voilà. Donc, je ne sais pas si je peux amener ça
focus, voilà. Donc, tout autour ici, même dès que c'est en fait, au fur et à mesure que vous allez commencer à utiliser la peau de lune, vous allez voir que non, il y a la poudre, il y aura plus la poudre tout autour de la bouteille. Je ne sais pas d'où vient la poudre, mais bon, c'est comme ça. Et puis aussi à l'intérieur, je ne sais pas si vous pouvez voir, à l'intérieur de la bouteille, là, c'est une bouteille que j'ai déjà finie. Je ne sais pas si vous pouvez voir, vous voyez, à côté ici, il y a une poudre en fait. Il y a cette poudre-là qui reste. Et puis, la poudre ne change pas de couleur. La poudre reste toujours blanche et d'aspect rose pâle, en fait. Vous voyez, donc. Et puis, en bas, je ne sais pas si vous pouvez voir. Bon, c'est que si en bas, c'est comme ça que vous devez voir la poudre dont je vous parle. Vous pouvez quand même le voir de ce côté ici. Voilà. Ça, c'est une bouteille que j'ai déjà finie. Voilà. Donc ça c'était pour vous montrer le faux au vrai peau de lune. Ensuite, en tout cas, je vais regarder un tout petit peu en bas parce que j'ai à noter pour ne pas dire de bêtises en fait. Voilà, donc après avoir fini de regarder ça, alors je vais maintenant vous parler de comment utiliser peau de lune. Alors pourquoi d'abord utiliser ça? En fait, peau de lune c'est une lotion. C'est une lotion, c'est vraiment fait pour les gens souffrant de problèmes d'acné. Quand vous avez des problèmes d'acné et l'acné vous dérange, j'ai déjà parlé, j'ai trop parlé de ce produit parce que c'est un produit que non, j'aime beaucoup et puis ça m'a beaucoup aidé. J'ai une peau grasse, ça m'a beaucoup aidé. Donc je parle souvent de ce produit. Je ne suis pas ambassadrice de ces brands. Donc je parle de ça parce que c'est un produit que j'adore. Alors si j'aime quelque chose, pourquoi ne pas en parler pour que ça puisse aider aussi les autres. Voilà donc. Peau de lune, c'est plus pour les gens qui ont des problèmes d'acné. Quand vous avez des problèmes d'acné, l'acné vous dérange, vous avez des problèmes de pores. Voilà. Donc, c'est mieux d'utiliser peau de lune. C'est une lotion, mais normalement, c'est inclus ça. C'est vraiment bon. C'est très bon. Alors, comment l'utiliser? C'est juste, vous l'ouvrez. Normalement, ici, comment appliquer les indications ici? Ils ont dit qu'il faut utiliser les cotons. En fait, moi, j'aime pas dépenser, faire de pertes inutiles. Donc, je vois comme si les cotons consomment et puis j'utilise mal en fait. Moi, j'utilise mes mains. Je lave mes mains très bien et puis je mets sur ma main. Ensuite, j'essaie de l'appliquer en mouvement circulaire. Là, au moins, je suis sûre que non. Tout ce que j'ai à mettre sur ma main, je l'ai utilisé. En fait, j'ai pas jeté. Donc, voilà en fait, voilà, c'est un peu ça. C'est mieux d'utiliser lotion peau de lune, ça va vraiment vous aider, ça va vous aider à combattre les boutons efficacement. Et puis ensuite, ça va vous aider à la production de l'huile sur votre visage. Vous savez, quand vous avez une peau grasse, la plupart de, quand vous n'utilisez pas de produits adéquats, dès que vous mettez votre make-up et que vous sortez 1 heure après, votre visage, il y a trop d'huile comme si vous en avez déjà la publicité de votre crème. Voilà. Alors pour éviter ça, vous pouvez utiliser lotion peau de lune. Ça va aussi vous aider, ça va vous aider à contrôler la production de l'huile sur votre visage, la production de sébum en fait. Voilà, donc c'est ça. La bouteille dit bien que non, peau c'est pour des peaux normales, voilà, peau normale. Et puis ça gomme les impuretés et éclaircit et délicatement. Voilà, donc cette crème, cette lotion, dont la lotion pour dire, ça va vous éclaircir. Oui, ça va vous éclaircir parce que quand vous avez une peau grasse, la plupart des cas, vous avez des boutons et vous avez des taches. Donc, lotion peau de lune va aider à effacer ces taches-là au fur et à mesure. Ça ne va pas faire le miracle que vous commencez à l'utiliser aujourd'hui et puis demain vous attendez que non, votre visage puisse être clean, pas de taches, tout cela. Non, c'est vraiment, ça va prendre son temps, mais ça travaille. Moi, c'est lotion qui m'a beaucoup aidé, alors beaucoup, beaucoup. Donc, pour les trouver et puis comment les trouver, vous pouvez les trouver sur Amazon. Alors, si vous allez l'acheter en ligne, comme je vous ai parlé, il faut bien voir le logo du vendeur. Sur Amazon, regardez bien la photo et puis comparez à la manière dont je vous ai montré au début, voir le logo. Si vous trouvez que non, le logo n'est pas le logo original de peau de lune, c'est comme ça, n'achetez pas chez vendeur-là. Je ne peux pas vous donner un lien pour aller acheter chez un vendeur parce que je ne connais pas, je ne suis pas partenaire avec un vendeur ou bien Amazon.
Donc, je ne vais pas vous, je peux pas vous donner un lien là où vous pouvez peut-être aller acheter quelque chose de faux. Et puis, vous allez dire que non, Alice, regarde ce que tu as fait dans ma peau aujourd'hui, tout ça. Donc, ce que je peux vous dire, c'est plus de regarder les logos. Quand vous achetez en ligne, c'est regarder les logos pour ne pas tomber au fou. Voilà. Alors, pour ceux qui sont en Afrique, je ne vous conseille pas d'acheter ça en ligne. Là, je vous dis, si vous êtes en Afrique, je ne vous conseille pas d'acheter ça en ligne, surtout sur Jumia. Parce que je suis allée sur Jumia et j'ai trouvé plein de défauts. Tu vas trouver un vendeur, il y a le vrai et puis il y a le faux. Donc, vous pouvez aller commander sur Jumia. Vous ne savez pas quel produit le vendeur va vous envoyer. Il peut envoyer le vrai ou bien il peut aussi envoyer le faux. Donc là, je ne peux pas vous conseiller d'acheter en ligne. À moins que vous puissiez déjà connaître ces vendeurs-là, vous avez déjà acheté des produits cosmétiques chez lui. Et puis vous savez que non, c'est ils vont que l'original. Donc si vous êtes en Afrique, je vous conseille d'aller dans le shop et puis acheter ça là-bas. Et voilà, donc si vous êtes au Congo, comme j'ai toujours dit, moi-même, je vais vendre ces produits. Si vous êtes au Congo, contactez-moi sur mon Instagram, Alice la Congolaise. Je vais vous dire comment vous pouvez les trouver. Je vais vous indiquer là où vous pouvez aller les trouver chez moi, plus précisément à Kinshasa. Voilà, seulement à Kinshasa. Voilà. Donc, mes amis, c'était un peu ça. Je voulais essayer un peu de claircir, de montrer comment reconnaître le vrai et puis le faux peau de lune. Et j'allais souligner un point. Si vous êtes enceinte, peau de lune n'est pas, je ne suis pas sûre que non. Peau de lune n'est pas conseillée pour les femmes enceintes. Je ne suis pas sûre parce que peau de lune, voilà, on va lire la lotion peau de lune florale plus assure un teint éclatant, donne une peau douce et efficace contre le bouton, les taches brunes de la peau. Donc, si vous avez des taches brunes, vous avez mis peut-être une crème qui vous a donné des taches brunes, voilà. Vous pouvez aussi l'utiliser, ça va, et ça va, c'est un correcteur en fait, ça va corriger ces problèmes-là aussi. Et puis ici, on nous applique, on nous montre comment utiliser l'application en fait. Il y a l'application à côté. Et puis, je vais vous parler même de la composition. Je ne vais pas vous expliquer tout ça sans vous parler de la composition. Voilà, donc, on dit que notre eau florale, c'est fait à base de plantes naturelles. C'est fait à base de plantes naturelles. Voilà. On n'a pas précisé quelles plantes, mais on dit que non, c'est fait à base de plantes naturelles. Si c'est réellement fait à base de plantes naturelles, je ne pense pas que ça peut être. Les femmes enceintes ne peuvent pas l'utiliser. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Donc, je dis que non, je pense bien que les femmes enceintes aussi peuvent l'utiliser. Voilà. Donc, mes amis, c'était un peu ça. Je voulais juste vous montrer comment reconnaître le vrai et le faux par rapport à votre feedback, par rapport à vos feedbacks sur la vidéo passée que j'avais fait sur l'océan peau de lune. Donc, je voulais quand même pointer cela parce que je n'avais pas fait ça dans cette vidéo. Je voulais quand même le pointer. Comme ça, vous n'allez pas tomber sur un faux. Donc, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me donner un petit like, de partager la vidéo et surtout de vous abonner sur ma chaîne. Comme ça, à chaque fois que je porte des vidéos comme ceci, vous serez parmi les premiers à être notifiés. Voilà, donc je vais vous retrouver prochainement. Portez-vous bien. Stay safe. Bye bye.